Ok, si on est avec l'Américain Jared Eaton qui a remporté le 60 mètres huées pour la troisième fois, un habitué de l'Aldor Nano. Jared, it's been another victory here in Mondeville. Yeah. How was your race? Comment s'est passée votre course? My race was okay. I had a bit mistakes, but I was able to get the job done and win, and I'm happy with the season's best. Alors c'est mon meilleur chrono de la saison, j'en suis très satisfait malgré quelques petites erreurs techniques que je vais tenter de corriger sur les prochaines sorties. Jared, we say here it's your garden, you know, Mondeville. It's been three times you've been running here, always a victory. All the fans really love you. How special is this race? Que représente le meeting de Mondeville pour vous? On sait que vous êtes très apprécié des fans. C'est la troisième année que vous venez remporter le 60 mètres huées. It's a very special race. I love coming back to France and running at Mondeville. Quand j'arrive en France, je me sens à la maison parce que the crowd and the fans, and it really touches my heart. And I love coming here year after year. It's a very special place for me. Je sens que le public justement de l'Aldor Nano me porte dans son cœur et ça fait vraiment très, très chaud au cœur, très plaisir de venir ici en France et courir à Mondeville. Jared, I have a small question. J'ai une petite question justement sur les championnats du monde, malheureusement qui ont été annulés en Chine. C'était le principal objectif de Jared. The World Championships that should have happened, you know, in China have been cancelled. Is that disappointing for you? Not so much. I think it was based off of the health of us and you, the athletes. And I think if it's not safe, it's not safe. And I'd rather be safe than sorry. Oui, bien évidemment, la priorité à la sécurité, à la santé des athlètes. Donc c'était logique que ce championnat du monde organisé en Chine à la mi-mars ait été annulé, hélas. So, what will be your main goals now that this objective has been cancelled? What can you hope during this season? Qu'est-ce que vous pouvez espérer faire cette saison maintenant que cet objectif malheureusement a été mis de côté? So I have two more indoor meetings to go in the USA Indoor Championships, and after that we focus on making the Olympic team and Eugene in 2020. So that is my goal, the Olympics. So we're all eyes on Tokyo. Bon, je vais enchaîner encore deux courses cet hiver et puis ensuite ça sera direction la préparation pour le 110 mètres huées justement pour me qualifier dans cette équipe américaine. Ça sera pas évident, mais l'objectif évidemment c'est le regard tourné vers Tokyo. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you. Thank you.